Hello mes citrons, aujourd'hui on se retrouve pour une expérience sociale. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et du coup, il faut que je trouve un compte que vous connaissez pas. Preuve, c'est que je pense qu'aujourd'hui vous connaissez à peu près tous mes comptes. Et je pense que ce serait peut-être pas le mieux que je prenne mon compte principal. Je vais essayer mon compte caché, Quinzelle, compte caché. En vrai, j'aurais dû l'appeler Quinzelle, le compte caché pour pas longtemps, quoi. Parce que bon, j'ai déjà fait des vidéos avec ce compte-là, mais genre, c'était il y a tellement longtemps que les personnes. Je pense pas tout le monde qui a vu ces vidéos-là. Et le problème, c'est qu'il y a Quinzelle dans le nom. Mais c'est pas grave. On va faire une expérience sociale. Du coup, je pense que vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre. En gros, ce que je vais faire, c'est. Je pense que je vais essayer de trouver des gens dans le chat et peut-être aussi. Des gens dans mes amis, peut-être plus dans le chat, parce que en fait dans mes amis déjà que ce compte-là, j'ajoute, j'ai beaucoup ajouté dernièrement, donc je pense que je vais être cramée. Par contre, on va lui faire un look un peu différent, je pense, et on va aller un petit peu dans les chats et on va essayer de prendre des pseudos comme ça et on va faire genre ah coucou c'est toi. Je pense qu'il faut que je trouve un truc intelligent. Pour pas être cramé, dire ah coucou, c'est toi qui avais gagné mon concours. Ouais, voilà. Et en fait, les gens qui vont me répondre ah oui, c'est moi, j'ai gagné. Oh, déjà, c'est moche de mentir là-dessus. C'est moche. Oui, c'est moi qui ai gagné ton concours. Ben, je dirais ah, je sais pas, je dirais une connerie. Bref. Et les personnes qui me diront bah écoute, non, t'es tombé sur la mauvaise personne. Moi, je n'ai pas gagné de concours. Eh bien, je leur enverrai un drip. Alors, est-ce que j'en ai encore sur ce compte? Je ne sais pas. Je vais vérifier en même temps, je pense. Et voilà, je vais faire un petit look on fleek. Alors, pour tout vous avouer, j'ai failli mettre des chaussettes claquettes. Mais je me suis dit que si je mettais des chaussettes claquettes, bah, j'allais plus être crédible dans mon expérience. Je perdais toute crédibilité là. Donc, je me suis dit, on va juste mettre les claquettes. Il fait beau, il fait chaud. Par contre, je vais vérifier s'il y a des drips parce que bon, si je fais genre ouais, c'est toi qui as gagné mon drip et que la personne elle va sur le compte, elle voit ouais, mais meuf, t'as pas de drip, qu'est-ce que tu racontes? Je vais peut-être m'envoyer des drips pour bah, que ce soit tout simplement crédible, hein, n'est-ce pas? Pour le moment, je n'en vois pas. Si, il y a un drip, ok, parfait. Il y a un drip, oh très jolie robe, je suis remontée parce que j'ai mis une jolie robe. Deux drips, nice, il y a deux drips. Bah écoutez, il y a deux drips, on va voir. Ah, j'ai envie de cliquer dessus, je peux? C'est beau aussi. Mais on va laisser la rouge, ok? Bon, on va aller dans un chat et on va essayer de discuter avec des personnes en espérant. Voilà, on est en vacances et tout, donc j'espère que vous allez me répondre. Enfin, quand je dis vous, ça se fait, je pense que les gens dans le chat sont pas forcément abonnés à moi, ça se fait, ne connaissent même pas la quinzale. Donc, on va aller à la plage. Tiens, je suis habillée on the fleek pour aller on the plage. Donc, on va aller on the plage, on va aller regarder un petit peu s'il y a des gens. C'est moi, je suis toute seule. Non, il y a des gens. Alors, on va peut-être parler à des VIP, à des non-VIP, histoire que ce soit, voilà, envoyer un message. Et je quitte pour pas que la personne, elle voit mon pseudo. Ah, c'est bien, parce que oh, attends, on va accepter Lily Love. Pour pas, aussi, je pense, un bon indice pour savoir si la personne connaît le compte ou pas, c'est de voir si elle a envoyé un message. Et là, comme je vois, elle n'a pas envoyé de message. Ok, on va écrire un message, on va lui dire, hey, coucou. On va lui dire c'est bien toi qui a gagné à mon concours hier. Écoutez, ce serait pas mal aussi de faire genre c'est toi qui a gagné à mon concours hier, j'en dire que sans que c'est un drip. Mais je pense que si on dit que c'est un drip, les gens ils vont plus hésiter. Allez, on dit oui. Alors bien sûr, je tiens à dire avant toute chose, avant de savoir si la personne va dire oui, non, n'allez pas harceler ces personnes-là. Parce que honnêtement, de vous à moi, il y a une personne que vous connaissez pas qui vous dit demain, eh, écoute, c'est pas toi qui as gagné une télé 4K, machin, ou un PC gaming, machin. Allez pas me dire que genre vous allez tous dire et être honnête, vous dire non, il y en a qui vont dire oui, désolé, demain je reçois une lettre chez moi, on me dit avec un colis, on me dit tiens c'est pour toi, t'as gagné le concours et il y a une grosse télé dedans, bah moi je la prends la télé quoi. Bon, donc, bon après c'est bien d'être honnête, hein. Après voilà, c'est bien d'être, oh je suis une mauvaise exemple, je suis en train de donner un super mauvais exemple en vidéo, mais bon,
Ok, on va lui dire hey, coucou, c'est bien toi qui a gagné à mon concours de drip hier. Est-ce que c'est bien ou pas? Avec un petit smiley, genre bisous, tu vois, genre en mode je suis gentil, m'arnaque pas quoi. Bon, je rappelle que du coup, l'honnêteté dans cette vidéo va payer parce que les personnes honnêtes, je leur enverrai un drip quand même. Voilà, donc on va lui envoyer un petit message. J'ai copié bien évidemment le message. On va. Merde, je suis pas sortie, je croyais que j'étais sortie de la salle de chat. Oh non, je suis cramée. Oh non. Bon, on va aller autre part. On va. Je croyais que j'étais sortie de la salle. Oh, je suis vraiment une noob. On va retourner, on va tenter un café. Pourquoi pas un café? Alors, je vais prendre un pseudo et puis je vais quitter la pièce, entre guillemets. Hein. On va voir. Faut que ça sera bien aussi que les... Voilà, Démoniaque Queen. Hop, je vais cliquer dessus. Hop. Et on quitte. Voilà. Et là, on envoie un message. On va lui dire « Hey, coucou! C'est bien toi qui as gagné mon concours de drip-pierre avec un bisou. » Oh mon Dieu, mais je me sens tellement mal de faire ce genre d'expérience parce que je me sens gênée, en fait. Oh là là. Bon, on va aller dans la... club... Non, je suis pas VIP, je suis pas invitée, je suis pas sur la liste. On va aller dans le café, de nouveau, ça va nous mettre normalement dans un autre café. On va cliquer et rapidement disparaître. Pour le moment, pas de réponse, je pense que je vais envoyer à plusieurs personnes. Et puis, voilà. Oh, on a une réponse. Non, j'ai même pas participé. Oh, on a une personne honnête. On a une personne honnête. Après, on va lui envoyer... Ah mince, attends, faut vite que j'envoie et que je quitte. On va lui envoyer... En plus, elle est niveau 3. Compte principal, attendez, elle a un compte principal. Je vais en voir rapidement. On va aller voir son compte principal. Pour voir si le si petit niveau... Ah, elle m'a demandé à être en amie. Oh, elle est trop gentille. Elle est trop gentille, en plus d'être sincère. Elle m'ajoute en amie. Ah. Merci. On va envoyer un petit cœur. On va lui envoyer quand même un drip. Elle va dire ouais mais la meuf, je lui ai dit non, j'ai pas participé à son concours, pourquoi elle m'envoie un cadeau? Je ne comprends pas. Alors maintenant faut que je retrouve le drip rapidement. Avant qu'elle aille sur son compte principal, ce serait dommage que le drip soit perdu. Donc on a deux drips. Je vais lui en envoyer un. Bon, je viens de lui envoyer le drip. Malheureusement j'ai coupé, je sais pas pourquoi, je suis une débile. J'ai envoyé puis j'ai coupé, donc j'espère qu'elle va l'ouvrir quand même en vidéo, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais 15S, ça se fait, tu l'as pas envoyé. Normalement on peut voir, hein. Je t'ai offert un cadeau. Ouais mais vous voyez pas ce que j'ai, faut qu'elle l'ouvre. Ouais, qu'est-ce que je peux lui dire? J'envoie un cadeau, elle va dire mais la meuf elle est teubée, elle m'envoie un cadeau machin et tout. Qu'est-ce que je peux lui dire? On va lui dire tout simplement voilà, je t'envoie voilà petit cadeau quand même. Ok. Vous envoyez, je vous montrerai du coup dans les cadeaux si elle l'a ouvert que j'ai bien envoyé un drip pour pas que les gens voilà crient au fake dans les commentaires, hein, n'est-ce pas? Même si je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez que je suis quelqu'un de relativement honnête malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, ok? Donc, je crois qu'on n'a pas eu de réponse de l'autre personne. Ouais, Kadimadou n'a pas répondu. Et Manon non plus pour le moment. Donc, je vais essayer encore d'envoyer à 2-3 personnes pour voir. Après, j'ai vu aussi en scrollant parmi mes milliers de pages, pardon, qu'il y a également des chaussures drip et des casquettes drip. Donc, même si le deuxième est par grand miracle, vous êtes tous honnêtes, bah, j'aurai quand même des drips à envoyer. Cela dit, moi, je retourne dans le chat et c'est parti. Oh, je suis vraiment une teubée. J'ai le copier-coller du pseudo de l'autre personne. Ah, oh, c'est pas grave. J'ai envie de checker. J'ai envie de checker. On est à niveau 28. Voilà, alors j'ai essayé de trouver quand même une personne VIP pour comme je vous avais dit tout à l'heure au début de vidéo, j'aimerais bien au moins voilà, qu'il y ait VIP, pas VIP, etc. Bon, il y a beaucoup plus de non-VIP dans les salles de chat que de VIP, donc je voulais quand même en trouver une pour la fin en espérant qu'elle nous réponde. Et là, nous avons une réponse d'Améthyste
qui dit du coup j'ai changé un petit peu le message, je dis coucou c'est toi qui as gagné à mon concours drip hier, je me suis déco trop vite. Alors elle me dit pas oui, elle me dit pas non, elle me dit juste ok du coup ça se passe comment. Donc en gros elle dit pas oui, elle dit pas non, donc je sais pas trop si elle est à moitié honnête ou pas. Donc je vais essayer de lui réitérer la question pour qu'elle me dise vraiment oui ou vraiment non, parce que là j'ai l'impression qu'elle dit juste ok, comment je fais pour participer en gros. Alors je sais pas trop si elle a compris qu'elle avait entre guillemets gagné, elle se fait passer pour une gagnante ou pas. Ah, je lui dis ah mais le concours. Je lui dis c'était bien toi qui avais gagné, c'était bien toi qui a gagné. Avec un petit smiley content. Parce que du coup je sais pas si elle a bien compris. Je vais vous montrer dès qu'il y a des réponses. J'espère juste que Démonie a ouvert son cadeau. Je vais vérifier quand même. Donc non, elle n'a pas ouvert mon cadeau. Ah c'est dommage. C'est dommage. Si vous imaginez un drip comme ça qui a disparu. Oh non, ce serait triste. On dirait moi en fait, quand je reçois tellement de cadeaux, il y a des cadeaux, je suis sûre, il y a plein de drips dans mes cadeaux que je n'ai toujours pas ouvert. Bref, donc elle m'a répondu oui. Ah zut. Alors en vrai, de se dire qu'elle passe réellement à côté d'un drip. Mais du coup, je sais pas quoi répondre. Laissez-moi réfléchir. Je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on veut lui répondre. Entre temps, je réponds à d'autres messages tellement je sais pas quoi dire. Ça fait 4 minutes que je suis en train de réfléchir à une réponse. Et du coup, j'avais deux solutions. Soit on part dans un petit délire où on lui dit, je sais pas, parce que là en plus, ça va être la fin de la vidéo. Personne me répond, personne a envie d'être honnête. Et enfin, si, il y a une personne qui n'ouvrira peut-être jamais le drip que je lui ai envoyé. Peut-être que faut que je la contacte sur son compte principal, du moins jusqu'à le cadeau quoi. En tout cas, bonne initiative, bonne idée. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Andrea69018 ou à Demonia Queen pour lui dire oui, va voir tes cadeaux sur Demonia Queen. Voilà, ce serait au moins une bonne chose. Votre BA de la journée. Pour ceux qui ne savent pas, BA égale bonne attitude. il y a juste Améthys, du coup, on va lui dire. Nice! Ok, les voisins gueulent. Il y a un meurtre qui est en train d'être commis à côté de chez moi, totalement normal, dans le plus grand des calmes. Non, pas dans le plus grand des calmes, parce que ça hurle, mais c'est pas grave. Alors, on dit nice, le souci, c'est que vous êtes deux améthystes. Améthyste, on fait genre, on a trouvé l'autre vainqueuse. Oh, ça part en prank. Si c'est que vous êtes deux améthystes, et je sais pas c'est laquelle. On va faire un petit smiley en mode gêné. Attends. Comme ça. Je ne sais pas c'est laquelle. Tu te rappelles de la réponse que... ouais mais c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en fait si elle m'aurait envoyé un commentaire, je l'aurais eu dans mes messages. Comment j'aurais pu faire un concours pour offrir un drip si j'ai pas de réponse dans les messages. Si tu te rappelles de la réponse que t'avais envoyée sur mon autre compte. Je lag trop, j'arrive pas à retrouver. Voilà, et on va voir. On va voir ce qu'elle va me répondre parce que du coup elle peut pas vraiment inventer de réponse vu que ça n'existe pas. Donc j'attends de voir sa réponse. Peut-être qu'elle va complètement snobber en se disant ouais bon d'accord là je suis cramée, je suis grillée, je pourrais pas trouver de solution pour gratter le drip. Mais du coup voilà, mais elle fait bien d'essayer, hein, pourquoi pas. Bon, j'attends une réponse et puis je vous communique sa réponse si réponse il y a bien sûr. Mon dieu, elle est intelligente cette améthyste, elle est très intelligente. Elle me dit, je n'arrive plus à retrouver ton profil, tu peux me le redonner, STP. De toute façon, les deux améthystes, c'est moi. Attends, parce que c'est vrai que si je tape améthyste, sur quel profil je tombe? Améthyste, attends, c'était comme ça. Hein. Après, il y a plein d'améthystes possibles. Ouais, après, si je mets améthyste minuit, améthyste... Améthyste mignon, on va tester. Améthyste... Non, c'est avec un Y. Mi.
Parce qu'après, oui, si elle parle des autres améthystes, normal, enfin minuit, oui. On va lui répondre, on va lui dire tout simplement, bah c'est Quinzel YouTube, mon compte principal, mais je lag trop. Bah bizarre, tu me réponds avec les deux comptes. Je veux dire, bizarre, tu me réponds avec tes deux comptes. Alors après, est-ce qu'elle me connaît? Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle me connaisse. Du coup, j'ai dit quand même que mon compte principal c'est 15 à YouTube. Après, elle va s'assurer, elle va même pas me croire. Je ne sais pas. On va voir. Mais écoutez, je retourne dans mes messages. Je me dis, bon, ça fait 3 minutes, 4 minutes que j'attends. Je vais aller voir si elle m'a répondu. Je retourne dans mes messages, je me dis, ouais, c'est un petit peu chelou. Je la retrouve pas dans mes derniers messages. C'est trop bizarre. Du coup, je me suis dit, bon, on va aller voir quand même. Hein. On va aller voir si elle m'aurait quand même pas bloqué, non. C'était elle, je crois. Cet utilisateur t'a bloqué. Ah, mais c'est pas... très très gentil tout ça. Oh mon dieu, elle m'a bloqué. Ah non, c'est pas gentil. Je pense que dès que je lui ai dit que mon compte principal c'était 15 ans YouTube, elle a dû aller voir, elle a dû dire ouais non, ça c'est pas bon du tout. Oh, c'est pas gentil, mais moi je voulais juste rigoler, franchement. Encore une fois, je rappelle, n'allez pas harceler cette personne. Même si je pense, vu son niveau, c'est peut-être un nouveau compte, je ne sais pas. Mais n'allez pas la harceler, bien évidemment, c'est, voilà, c'est le but du jeu, c'est le but de l'expérience sociale, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et sur ce, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour la vidéo, n'hésitez pas à me proposer des nouvelles expériences sociales à effectuer sur Movistar Planet. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, à très bientôt. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman.